Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonsoir à tous, bonsoir Tom. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac, sur l'émission Ça se passe ici. Je suis Ludovic et je suis accompagné ce soir par un jeune. Enfin, place au jeune, 17 ans, il est en face de moi. Tom Trécourt. Tom Trécourt, je l'ai rencontré. J'ai entendu parler de lui sur un article du Dauphiné Libéré au mois de février dernier. C'est ça, Tom ? C'est ça. Donc, au mois de février dernier, un super article sur un jeune qui menait des actions citoyennes. Donc, tu vas nous en parler. C'est ça. Tu prends tes différentes associations auxquelles tu participes. Tu es un ancien conseiller départemental jeune. Tu as toujours 17 ans. Tu es en première. Voilà. Et tu habites à Saint-Offange. C'est ça ? C'est ça, à Saint-Offange. Et au duo de ton grand âge, la politique, ça a l'air d'être un petit peu ton dada, c'est ça ? C'est mon dada, totalement. Bonjour à tous. Voilà. Donc, on est sur l'émission Ça se passe ici. On va faire un petit peu la place aux jeunes. On a reçu la semaine dernière, je vous rappelle aussi, Laurie Souvigné de l'Office du tourisme Aix-les-Bains-Riviera. Nous avions reçu aussi l'entraîneur d'Aix-Maurienne, l'entraîneur Julien Cross. Nous avions reçu un pilote de bateau et maintenant... Place à Tom qui va nous expliquer un petit peu comment à 17 ans on peut avoir autant d'envie de s'investir un petit peu dans des associations quand d'autres préfèrent le football, quand d'autres préfèrent le basket. Donc allez, on va commencer un petit peu tout de suite déjà parce que je te sens que bien lancé. Première association déjà, allez, tu participes à une association sur Saint-Offange, c'est ça ? Ça fait partie de Saint-Offange, mais ouais. C'est l'ASEJ, donc ouais. C'est la structure jeunesse du canton, ouais. Qui regroupe les six ou sept communes autour. Ouais. Donc, 7. 6 ou 7, oui. Saint-Offange, Brison, Le Moncel, Mouxy, Trévignin, Puny et Grésy. C'est bien, on voyage. C'est ça. D'accord. On voyage. Et donc, tu as utilisé un acronyme, c'est quoi le... C'est, donc, ça s'appelle Administrado, donc ouais. C'est une instance participative créée par la SEJ. Ouais. Donc, ils se sont dit qu'il fallait laisser un peu la place aux jeunes dans une association pour les jeunes et écouter les jeunes, où ça nous sert à proposer des animations, où on valide les programmes... On valide les programmes jeunesse qui seront pour les jeunes. On peut aider au soutien administratif lors des validations d'inscription. On peut aider à l'aménagement de l'animado où on accueille les jeunes toute l'année. Ouais. Concrètement, vous aidez des jeunes à s'inscrire, c'est ça ? En fait, concrètement... Qui vient vous voir, par exemple ? On peut venir nous voir s'ils veulent créer des projets sur, avec la SEJ ou nous poser des questions sur la SEJ. Mmh. On est là pour porter leur voix. Et faire remonter des informations. Remonter où ? On peut y faire remonter aux adjointes pédagogiques, à la responsable pédagogique de la SEJ. Mm-hmm. Et ainsi, après, la SEJ organise aussi, eux, des événements locaux. Mm-hmm. Et donc, nous, on peut être là aussi pour tenir la buvette. On est réellement là pour faire écouter les jeunes. Et si un jeune veut faire un projet, on peut l'aider à monter un projet. Nous, on va monter des projets... car on connaît bien la jeunesse, on sait ce qui a besoin d'eux aussi. Ouais. Du coup, on est réellement là pour... la devise de l'Administrado, c'est des jeunes en action pour leur territoire. Donc des jeunes de ce territoire-là, de Saint-Offange, Puny, Brison, c'est etc., qu'ils auraient envie de monter un projet. Alors, par exemple, une équipe de sport, ils veulent créer une association sportive, qu'ils veulent se rassembler, ils cherchent un petit peu les interlocuteurs, c'est vers vous qu'il faut se diriger, de préférence. Ah ben, après... Leur association, elle peut être indépendante, mais après, si elles ont besoin d'aide pour monter un projet et tout, nous, on peut les aider à monter un projet, à leur trouver des idées. Mm-hmm. Vous êtes mieux que Google pour monter une association. Quelque part, vous avez les informations qu'il faut, vous savez comment on fait, et donc ça peut aider vraiment les porteurs de projets. Alors, un projet, bon, projet au sens large un petit peu. Moi, je pense à des équipes de sport, par exemple, une envie de créer une équipe de, je sais pas, de basket, choses comme ça. Ou autre, alors par exemple, hop, ça peut être quoi ? Vous avez... Après, en projet, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est pas notre premier objectif d'aider, c'est un objectif qu'on a d'aider les jeunes à monter des projets. Ouais. Mais après, nous, on est là aussi là pour monter nos projets en tant qu'administrado. D'accord. Et là, on a monté un projet Rossi Lac, ouais. Où le matin, on nettoie les berges du lac du Bourget. Ouais. L'après-midi, ça sera des jeux dans l'eau gratuits, genre baptême de plongée, rando palmé. Donc voilà, on est là pour aider à monter des projets. S'il y en a qui sont demandeurs, on peut être là pour les aider. Ouais. On est là aussi pour monter nos projets à nous. Vous, ouais. Et on est là aussi pour aider l'association
dans leur événement local ou dans des événements administratifs. Alors, par exemple, tu parles d'un projet qui s'appelle Recylac, c'est ça ? C'est ça, Recylac. Pourquoi ? C'est toi, c'est qui ? C'est vous ? C'est l'ensemble de... Alors, Recylac, c'était une idée un an avant que j'arrive sur Administrado, ouais, portée par les jeunes qui étaient là à Administrado. Donc, les jeunes, ça en est un ou deux par commune. Ouais. Et donc, ils se sont dit, l'écologie de Mondora, c'est assez important. Et donc, on a réfléchi sur un projet à pouvoir monter. Ils ont pensé à Recylac. D'accord. Du coup, après, c'est un projet qu'on a mis en place et ça fait... Je ne vais pas dire de bêtises, du coup, je n'ai pas donné de combien d'années depuis que ça existe Recylac. On est entre nous. On est entre nous, je ne sais pas combien de gens nous écoutent, mais voilà. Des millions, comme d'habitude. Des millions. Donc, je ne vais pas donner de date. voilà. Donc, et techniquement, cette action se passe comment ? Celui qui a envie d'y participer, il se rapproche de qui ? Bah, ça serait au moment des inscriptions, donc c'est en septembre, où l'ASEJ va communiquer sur l'événement. Il faudra juste s'inscrire pour venir ramasser... Les déchets, ça se passe souvent sur Brison Saint-Innocent, avec le lac, et après on a la plage qui est faite pour ça. Du coup, c'est réellement tout le monde a le droit de participer. Tous ceux du canton peuvent venir participer. Une bande de copains, en fait, qui ramassent les déchets dans la bonne humeur. C'est ça, c'est toujours dans la bonne humeur. Vous êtes équipés, bottes, tout ce qu'il faut. C'est ça. Vous allez dans l'eau pour les ramasser ? Oui, ça peut nous arriver d'aller dans l'eau si on voit un déchet pas trop loin. En janvier, février ? Non, en septembre. D'accord. Et vous avez des surprises des fois dans ce que vous ramassez, non ? Ah bah des fois, ouais. on ramasse des choses, on se demande comment c'est arrivé là au bord des plages. Ouais. Des pneus, à des sacs ou des choses comme ça, on se demande comment ça peut arriver là. Des mégots par exemple aussi, beaucoup. Parce que c'est terrible les mégots. Hein. Tout ce qu'on jette comme mégots ici sur Aix-les-Bains finira à un moment donné dans le lac du Bourget. Je pense qu'il y a plus de mégots qu'on retrouve par terre que d'auditeurs qui peuvent nous écouter tellement qu'il y en a. Ouais, c'est ça. C'est un truc de dingue. Les mégots. C'est une catastrophe. Il y en a beaucoup. C'est une catastrophe écologique. Bien, chers auditeurs, donc je vous ai présenté Tom Trécourt. Donc il est avec nous pour 7 heures d'émission. On va parler de ses engagements. C'est étonnant pour un jeune de cet âge. Donc on se retrouve tout de suite. On écoute Alain Bachung, Vertige de l'amour. Et on se retrouve après avec Tom Trécourt. Radio Grand Lac sur 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM ou radiograndlac.com pour nous écouter sur les réseaux sociaux ou sur Internet, n'importe où en France. Je suis avec Tom Trécourt, donc place aux jeunes, comme je dis, et j'ai envie de le répéter parce que j'ai face à moi un jeune très souriant, très mature et vraiment très à l'aise. Alors, très à l'aise, tiens, d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse. Peut-être nos auditeurs ont remarqué que tu as une petite coquetterie dans le langage. C'est charmant. Je crois que les plus grands avaient ce problème-là. Je crois qu'il y a Albert de Monaco, il y a le roi George V. C'est ça ? George V, je pense. Que c'est peut-être. Ça. Donc, les plus grands ont eu cette coquetterie. et toi, alors, du coup, ça, on va en parler un petit peu. Donc, oui. C'est un bégaiement, c'est ça ? C'est ça, je bégaye et je bredouille à la fois. Ça veut dire que j'étais moqué. Sortent pas bien de... Bégayer et bredouiller. Bah, bredouiller, ça veut dire que je parle très, très, très vite. Ouais. Donc, ça peut m'arriver de parler vite. Ah, c'est un terme médical, c'est bredouiller, finalement. Alors. Ouais. J'espère que je parle pas trop vite pour tous nos auditeurs. Non, je te rassure, parce que moi aussi, je bredouille, finalement. Je m'en rends compte maintenant. Et après, je bégaye et j'ai des mots qui sortent pas bien. J'ai des syllabes qui sortent un petit peu moins bien. Alors, je disais à mes auditeurs, je suis avec Tom depuis maintenant presque trois quarts d'heure. J'ai remarqué tout de suite ce petit bégaiement, mais qui s'est estompé au fur et à mesure que nous discutions ensemble. Cette coquetterie te passe au fur et à mesure que tu es à l'aise, finalement. Donc, voilà. Oui, elle peut arriver de temps en temps et repartir, mais ce n'est pas quelque chose qui me gêne dans ma vie de tous les jours. Oui, j'ai vraiment pas l'impression que... Tu es traité pour ça ? Oui, je suis suivi en orthophonie. En orthophonie. En orthophonie tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Enfin, excuse-moi, je vais poser la question, ça se passe comment ? Il te fait lire des mots, il te fait répéter des trucs Là, normalement, j'aurais dû avoir l'oral de français cette année. Du coup, on a bossé un petit peu l'oral, à lire des textes. Après, j'ai aussi appris des techniques à comment moins bredouiller, à mettre des pauses, à allonger certains mots. D'accord. Donc, ça, l'orthophonie, c'est celui qui t'aide à faire toutes ces techniques-là. C'est ça. L'orthophonie m'aide à faire toutes mes techniques pour que plus tard, ce bégaiement puisse partir. Et ça fait longtemps que c'est en plein, non ? Depuis toujours ? Depuis toujours, j'ai toujours bégayé, c'est pas arrivé tout de suite. Et puis vu que j'avais pas mal d'oral, d'oraux cette année, ouais, l'orthographe, c'est pas bon. Donc j'ai pas mal d'oraux cette année et l'année prochaine, du coup je me suis dit que c'était important d'être suivi en orthophonie pour passer au mieux ces épreuves. Bien,
Donc voilà. Allez, parenthèse refermée. Du coup, voilà, comme petit éclaircissement. Donc ce léger bégaiement, mais n'empêche pas d'éclaircir ton visage avec ce grand sourire. Ce grand sourire qui vient peut-être aussi parce que tu as été conseiller départemental jeune. J'ai l'impression que tu en es fier. C'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est ça ? Alors qu'est-ce que c'est un... Alors c'était en 2016, hein, c'est ça ? Donc c'est ça, 2015-2016. J'ai été en quatrième. En quatrième. On a quel âge en quatrième ? Laisse-moi deviner. 13 ans. Ouais, ça doit être ça. J'étais jeune à ce moment-là. Oui. Me dit-il. Donc, en quatrième à 13 ans, un bonjour, tu te réveilles, tu dis papa, maman, je vais être conseiller départemental jeune. C'est ça ? C'est ça. Alors, j'en avais entendu parler au collège. Je me suis dit, en quatrième, ouais, être conseiller départemental jeune, peut-être utiliser l'acronyme CDJ aussi de temps en temps. Donc, ça veut dire la même chose. Oui, on va éviter les acronymes pour nos éditeurs qui nous prennent en cours de route. J'ai évité les acronymes alors. Mais donc, du coup, c'est quelque chose où j'en ai entendu parler au lycée et j'ai toujours dit à mes parents, je voudrais être conseiller départemental jeune plus tard. Ouais. Et c'était délégué de classe J'étais délégué de classe. Ouais, voilà, donc c'est déjà les élections. Et donc ce conseiller départemental jeune en quatrième, donc tu as décidé de le faire, ça se passe comment ? Une campagne un petit peu à mener ? On a une petite campagne à mener. Exemple, nous, au début, on était 7 à se présenter dans mon collège. Ouais. Après, au fur et à mesure, on a appris ce que c'était de conseiller départemental jeune, où on a vu... Il y en a qui se sont retirés. Donc, à la fin, on s'est retrouvé que deux pour l'élection. Mm-hmm. Et là, on devait faire un petit discours pour nous dire pourquoi on voulait être conseiller départemental jeune. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance que les délégués du collège Le Rovard à Grésy ont décidé de voter pour moi et que j'ai pu passer une superbe année de CDJ pour, à la fin, monter un projet. Et le thème de notre année, nous, c'était la citoyenneté. D'accord. Donc, conseil départemental jeune, c'est une vieille institution. Tu disais que c'est peut-être quelque chose de nouveau. Ça date d'il y a plus de 60 ans. Et ces jeunes sont élus pendant un an, c'est ça ? Alors, on est élus pendant un an où on va apprendre la thématique. Ouais. Donc, il y a plusieurs thématiques. Une année où c'était la solidarité, d'autres où c'est développement durable. Et puis, du coup, moi, je suis tombé sur la citoyenneté. Mmh. Donc, un thème large. Donc, ça veut dire qu'on pendant un an, on va apprendre ce que c'est. On va apprendre à rédiger un appel à projet également pour qu'à la fin de l'année... Et en troisième, que je puisse monter un projet. D'accord. Pour mettre en place un projet sur le thème de la citoyenneté. Donc dès la quatrième, troisième, tu te retrouves déjà chargé d'un projet un petit peu. Donc tu t'es occupé un petit peu avec ça. Tu te rappelles de ce que c'était comme projet, j'imagine, c'était quoi ? C'était un forum citoyen. Ouais. Où j'avais invité la conseillère départementale, donc Nathalie Schmitt. Oui. Que je salue d'ailleurs, Nathalie Schmitt, qui nous écoute sûrement sur radio à grandlac.com. Où je lui passe un coucou. Donc, avec Nathalie Schmitt, j'avais invité un militaire. Alors, Nathalie Schmitt est conseillère départementale tout court. De la Savoie. C'est ça. Actuelle. Hein, et donc, c'est cette personne-là qui t'a appuyé à ce moment-là, déjà. Elle m'a appuyé, c'était ma conseillère départementale référente. Donc, ça peut être pire. Il peut être pire, c'est sûr que elle m'a beaucoup aidé, elle m'a porté le projet, elle m'a aidé aussi à l'organiser. Mm-hmm. En même temps qu'avec la structure jeunesse et le collège, on a fait un truc ensemble à trois pour bien monter un projet pour qu'il soit au mieux. Du coup, j'avais donc invité Nathalie Schmitt, un élu de la commune de Grésy-sur-Aix aussi, avec un policier et un militaire. Et à la fin, donc, ils pouvaient discuter de citoyenneté, poser des questions sur la citoyenneté. C'était entre un temps du midi. Il y a eu, si je m'en souviens, environ 160 jeunes ou 200 jeunes qui étaient passés. Donc, c'était une belle réussite. Oui. J'étais content. Qui était dans les intramuros dans ton lycée ? C'était intramuros dans mon lycée pendant le temps du midi. Entre le self, ils mangeaient, ils pouvaient passer, repartir. Ah oui, c'est bien ça, c'est intéressant. Parce qu'ils ont du temps en ce moment-là, les jeunes, ça leur évite. C'est bien. Et à la fin, on devait créer une fresque où j'avais mis « C'est quoi la citoyenneté ?» Et du coup, les jeunes, après leurs échanges, pouvaient écrire les mots pour la citoyenneté. Sur la VRU de Chambéry ou... Non, on a... je leur avais acheté. On avait acheté une petite planche en bois blanc où j'avais écrit qu'est-ce que c'est la citoyenneté pour vous. Et en fait, autour, soit ils dessinaient, soit ils écrivaient que pour eux, que c'était la citoyenneté en un mot, en phrase. D'accord. Du coup, c'était vraiment une belle réussite. J'ai eu de bons retours, donc, ce qui m'a encore permis de plus après vouloir m'engager, faire des projets. Ah oui, et donc c'est vraiment le point de départ. Bah, tu t'es senti porté et là, tu as senti que c'était ton truc. C'était un réellement
point de départ, un beau point de départ et de conseiller départemental aux jeunes, ce qui m'a permis d'avoir aussi quelques ouvertures avec la politique locale jeunesse. Mmh. Donc le CDJ, c'est vraiment l'ancrage. Conseil départemental jeune. Conseil départemental jeune, excusez-moi. Non, mais je vais rappeler aussi, c'est toujours Trump très court qu'on est avec nous. Et donc, ancien, donc, il nous parle de son expérience de conseiller départemental jeune. Et cette institution-là, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Et j'ai la chance de toujours la suivre en tant qu'animateur des conseillers départementaux jeunes, parce que j'ai rejoint l'association Sourire au Monde, mm-hmm. qui est un partenaire du département. Oui. Et en fait, c'est l'association où on dit des anciens conseillers départementaux jeunes, ou mm-hmm. tous ceux qui ont été... Déjà, les anciens jeunes. C'est ça. Les anciens jeunes. Donc, toi, à 17 ans, tu es déjà un ancien. Et tu aides les nouveaux à prendre leur... Ils sont tous en quatrième ou... Maintenant, c'est des cinquièmes. On a changé, c'est des cinquièmes. Ça concerne tout le territoire, dans tous les collèges. Tout le territoire de Savoie. D'accord. Et en Savoie, il y en a combien de... Donc, toi, tu étais délégué sur la Savoie ou sur... J'étais conseiller départemental jeune, je représentais mon collège, donc le collège de Rovard à Grésy-sur-Aix. D'accord. Et donc, avec tous les autres collèges, vous vous êtes rencontrés avec les autres conseillers départementaux. Et on a la chance de se rencontrer à l'endroit où les conseillers départementaux... Les conseillers départementaux... Ouais. Excusez-moi pour l'orthographe encore une fois. Et donc, on a la chance de siéger au même endroit que les vrais conseillers départementaux. Donc, au château à Chambéry. Château, ouais, ce me semble, c'est la grande salle. Grande salle magnifique avec les sièges rouges, salle des délibérations. Donc, on a la chance d'être assis au même endroit des conseillers départementaux. Et ça fait quoi? Enfin, on sent que c'est chargé déjà, un petit peu comme lieu. Hein. C'est un lieu que quand on rentre la première fois, c'est waouh. Ouais, c'est ça. On retire le casque, on retire la casquette à ce moment-là. On retire tout. Bien. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va reprendre un petit peu notre souffle. Donc, Tom Trécourt, qui est donc ce jeune qui nous parle de la citoyenneté, de ses engagements dans différentes associations. Il est 18h24, ça fait déjà 20 minutes que l'on parle déjà que de deux de ces associations. Donc, vous voyez, il en reste encore deux ou trois choses à laquelle on veut vous parler, mais vous allez voir, c'est un personnage étonnant que ce jeune Tom Trécourt de Saint-Offange. Donc, on fait une petite pause musicale et je vous reprends juste après avec Tom. Radio Grand Lac, entre lac et montagne. Votre radio. Radio Grand Lac, nous sommes toujours en direct avec Tom Trécourt, 17 ans, face à moi, un jeune de 17 ans qui m'avait attiré l'œil sur un article du Dauphiné Libéré paru en février dernier, où je m'étais dit, mais comment un jeune de 17 ans peut faire autant de choses, avoir envie de participer à autant d'associations. Et pour la petite histoire, Tom Trécourt, je devais l'inviter en mars, je crois, de mémoire. Début mars. Et je l'avais appelé, j'étais dit, bon, bah, Tom, est-ce que ça t'intéresserait de venir à l'émission? Je suis tombé sur ta maman, à ce moment-là, qui m'avait expliqué que tu étais confiné. C'est ça, avant tout le monde. Confiné avant l'heure. Avant l'heure, c'était ça. Tu étais en plein dans l'actu parce que ta maman travaille sur la BAM de Syngie. Et c'est pas la peine que je fasse un dessin pour personne. Tout le monde aura compris que la situation en fin février à la BAM de Syngie a conduit ta maman à la prudence. Et un confinement général de la famille. Ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est bien, ces gens qui ont pris en charge. Ça a été long pour tout le monde. Les 6 semaines, 8 semaines de confinement, on a tout subi. On a pris 2 de plus. Mais écoute, c'est un acte, comme on dit, citoyen. Et paf, on est en plein dedans. Donc, la citoyenneté, une affaire de famille chez les Trécourt, visiblement. Donc, Tom, tu nous as parlé donc, de ton... On a parlé un petit peu de ton rôle de conseiller départemental quand tu étais en quatrième. Je t'ai repris pas mal sur les acronymes. Le CDJ, c'est pour Conseil départemental jeune. Mais juste avant, il y avait un autre acronyme avant la première pause musicale qu'on a pas mal répété et qu'on n'a peut-être pas assez entendu exactement ce que c'était, la CEJ. C'est ça. Comment tu l'écris, la CEJ? ACEJ, et c'est l'Association de communes enfants-jeunesse, donc du territoire d'Aix-Nord, de Grésy-sur-Aix, les communes aux alentours, qui accueillent les jeunes de 3 à 25 ans. Donc, à la fois avec l'animado pour les collégiens et lycéens, à la fin, qui se situe à côté du collège Le Rovard. Mm-hmm. Et donc, à la fin des cours, on peut y aller. Il y a du baby-foot, du billard. Ah oui, c'est s'amuser. Concret. Ça, c'est concret aussi. Ça, c'est concret. Après, il y a l'enfance, où ils accueillent avec le périscolaire, donc ce que fait un centre de loisirs. Ouais. Après, ils font également des projets locaux, donc dans chaque commune. Ouais.
un carnaval, une rando du goût par exemple. Et toi, tu fais des animations aussi un petit peu ou tu chapeautes un petit peu tout ça? Bah, en fait, nous, on sera présent aux animations. Après, Ouais. on verra dans quoi on a besoin. Tu as le Si BAFA? je vais le passer dans quelques semaines, Ah, le BAFA. le 20 juin. D'accord. Eh Et ben. du coup, cet été, je vais travailler à la SEJ, à l'association de communes en Voilà. France Jeunesse. D'accord. Donc Avec ton voilà, BAFA. On avec rappelle moi. ce que c'est que le BAFA. On repart sur les Le premiers. BAFA, c'est le brevet d'aptitude de diplôme d'animateur, je crois. La forme. Enfin, La fonction la fonction d'animateur, d'animateur. voilà, Non, c'est mais ça. là, tu parles à un ancien aussi Je sais pas encore. animateur dans les années 90. Voilà. Donc, le BAFA, eh ben oui, ça c'est bien. Alors, concrètement, tiens, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent aussi. Le BAFA, ça se passe comment? Après, je pourrais pas donner de détails parce que je le passe du coup dans quelques On semaines. s'inscrit, c'est ça? On doit On s'inscrire. s'inscrit sur un. Il y a plusieurs sites, donc je vais pas faire de publicité pour les sites du Oui. BAFA. Mais voilà, on s'inscrit sur un site qui font passer le BAFA. Donc ça veut dire qu'on aura une semaine théorique où ils vont nous apprendre les bases de l'animation, comment être dans Ouais. l'animation. Après, on a un stage pratique, donc réellement sur le terrain, Ouais. avec en centre de loisirs. Et donc après, un stage d'approfondissement, où là, on va approfondir le métier d'animateur pour avoir son diplôme. D'accord. Et toi, donc, pour finalement bosser donc à l'association ASEJ, donc association Association de communes enfants jeunesse. qui est basée à Grésy-sur-Aix. Grésy-sur-Aix. Donc, qui aide aussi, alors qui participe, qui fait des activités aussi au périscolaire. C'est ça. Et ça, il y en a partout des associations comme ça ou c'est spécifique Bah, à... après, ça dépend. Il y a des co communes où c'est pas une association, mais c'est la commune qui décide de Ouais. gérer Ah oui, le. d'accord. Là, la SEJ est une association subventionnée par les communes, où les communes se sont dit on voulait gérer l'enfance et la jeunesse du territoire. Et voilà. Du coup, là, c'est une association. Après, il y a des fois où c'est des communes qui, eux, mettent réellement en place un service. Après, ça peut être. Peut-être du privé aussi. Il n'y a pas partout une association. D'accord. Bon, Tom Trécourt, donc, qui nous raconte un petit peu toutes ces associations. Donc, maintenant, on avait parlé aussi donc l'association Sourire au Monde, hein, c'est ça? Sourire au monde, c'est Alors, ça. Sourire au Monde, c'est quoi? C'est Alors. des gens qui sont extasiés et qui regardent les arbres en leur faisant des câlins? C'est quoi? On regarde pas les arbres. Non, plus sérieusement, Sourire au monde, c'est l'association, avant, c'était les conseils départementaux jeunes qui voulaient continuer à s'engager, à créer des projets. Donc, qui allaient dedans. Donc, plus communément, c'était l'association des anciens conseillers départementaux jeunes, où maintenant, on a décidé d'ouvrir à tout le monde pour que tous les jeunes du territoire savoyard puissent mettre en place des projets avec nous. Du coup, avec Sourire au Monde, on a la chance, on est un partenaire du conseil départemental. Donc, du coup, on a la chance de pouvoir suivre. Conseillère départementale, donc on revient aussi sur Nathalie Schmitt, hein, C'est ça, notre appui. Hein. c'est notre appui, le conseil Ouais, départemental. le conseil départemental. Du coup, on a la chance d'être un de leurs partenaires. Et donc, qui nous permet à nous de suivre, en tant qu'animateur, le parcours des nouveaux conseillers départementaux jeunes. D'accord. Donc, en fait, ça nous permet de suivre leur évolution, la travailler sur thématique et apporter, nous, notre expérience en tant que jeunes qui ont déjà effectué D'accord. Et il y ce a beaucoup de parcours-là. jeunes comme toi qui ont déjà effectué. Enfin, quand on est à partir du moment qu'on a été élu de conseil départemental jeune, Tom Trécourt, on a envie de continuer. Ça dépend des années. Il y a des années où il y en a plus que d'autres Ça dépend, après. ça dépasse. Mais après, On c'est n'a pas pas les tout de mêmes suite. références. C'est pas tout de suite. Il y en a qui décident de s'engager pas tout de suite après leur engagement en CDJU, ils ont besoin de faire une. Mais qui nous rejoignent après. Là, en ce moment, on est 15 à cette association où on monte des projets, où on accompagne les CDJ également. D'accord. Et là, vous êtes basé où aussi? On est basé sur Chambéry. Ah oui. L'association est sur Chambéry, mais après. Il y en a qui viennent de Chambéry, d'autres de la Biolle, d'autres de Et vous faites Saint-Offrange comme comment? moi. Vous covoiturez? Vous y allez Ça dépend. Après, notre réunion est souvent placée à la Ravoir, ce qui nous Ouais, permet en d'avoir dehors. un truc proche de tout le monde. Oui. Et donc, vous pouvez crapahuter là-bas. Alors, tu aurais pu me répondre, je prends les transports en commun ou je fais du vélo. Bah, les transports en commun à Saint-Offrange, Il y en a? Non? Question que je me pose. Il y a un bus? Saint-Offrange, il y a un bus pour nous emmener en fait dans les établissements scolaires le matin. Ouais. Mais il n'y a pas de transport en commun comme existe à Aix, un bus qui passe toutes les heures, choses comme ça n'existe pas. D'accord. Donc, Je suis piéton, c'est ça. Mais ça t'empêche, quand on est en piéton, ça t'empêche pas de faire énormément d'actions. C'est ça. Lycée. Donc là, tu es au Lycée. lycée. Alors, Je suis au donc je lycée. rappelle en face de moi mes auditeurs qui nous reprennent peut-être en cours de route, Tom Trécourt.
17 ans au lycée, en première. Alors, première quoi ? Alors, j'étais super bête. Moi, j'ai dit, tu es en première S. Et là, il m'a dit, mais non. Là, j'ai pris un coup de vieux. Tu es en première quoi ? Alors, cette année, j'étais en première avec spécialité sciences économiques et sociales. Spécialité histoire. Alors, celle-ci est compliquée. Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, ainsi que mathématiques. D'accord. Pour faire plus court. Ouais. Donc, tu es un bac en son enseignement, alors bac économique. Et plutôt social, bac ES. Avec une spécialité maths et. C'est ça. Géo. Et ça va au lycée. Enfin, c'est pas trop dur. Tu as les bonnes notes. Tu arrives à mener tes deux actions de scolaire et tes actions associatives. Il le faut. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on décide de s'engager, il faut que le scolaire vienne avec parce que, le scolaire est indispensable pour tout de suite. Donc. Parce que les parents, ils doivent trouver ça sympa, mais si le scolaire derrière ne suit pas ou si tu n'arrives pas à coller debout. Et là, ta prochaine séance scolaire, vas-y, fais-nous rêver, c'est quoi ? Le bac français ? Le bac de français est annulé. Alors, le bac de français est annulé. Donc, ça, c'est une info que je n'avais pas. Alors, il est annulé. Qui a été annulé et remplacé par le contrôle continu à cause du Covid-19. Et tu es content ou pas de cette situation ? Pas du Covid-19, mais de l'annulation du bac. Je vais pas vous le cacher qu'en apprenant que l'épreuve orale et l'épreuve écrite, qui est pour moi une de mes plus grandes difficultés, le français, parce que c'est assez compliqué, je suis pas un grand lecteur de base. Ouais. Bah, ça n'empêche pas de. Oui. Non, mais voilà. Donc, ça rassure pas mal de jeunes autour de nous. Donc le français, c'était une matière assez compliquée. Du coup, je vais pas vous cacher que je me suis assez réjoui de l'annulation du bac de français. Vous parliez de quoi ? C'était quoi les livres que vous étudiez un peu en bac français ces années ? On avait Phèdre, on avait La Princesse de Clèves, on avait Les Fables de La Fontaine. Ouais, ça marche toujours ça. Du CP à la terminale. C'est ça. Ça marche toujours. Donc voilà, on avait des livres après. Ouais. D'accord. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Finalement, le bac français est relativement le même que en 1999, au siècle dernier, il y a deux décennies, trois décennies. Bref, c'était notre époque. Alors, le lycée, donc on y vient un petit peu. Tu es maintenant lycéen et donc maintenant, tu es encore parti sur un troisième créneau parce que là, on a fait la SEJ, l'association communale périscolaire pour les jeunes. Ouais. On a parlé du conseil départemental jeunes et maintenant, on va parler tout simplement de Avenir Lycéen, c'est ça ? C'est ton association. On va parler d'Avenir Lycéen qui est une association donc, pour tous les lycéens. Donc, c'est une association donc, niveau national. Ah oui. C'est une association de niveau national. Où là, on a notre présidente qui était bien en lien avec le ministre de l'Éducation nationale, où on porte des projets. Exemple, le projet d'éco-délégué, on l'a porté, que ça nous semble très important au sein. Éco-délégué, c'est-à-dire c'est celui qui est plus avare que les autres, qui économise plus que les autres ou c'est non, c'est en fait le rôle du délégué un peu écolo. Donc, penser à allumer la lumière s'il n'y a pas besoin, l'éteindre. D'accord. Ah oui. Auprès du lycée, alors. Auprès de notre classe. Il y a un éco-délégué de notre classe. Ah oui, on est en 2020. Maintenant, il y a des éco-délégués dans les classes. C'est dans toutes les classes, ils font ça ? Dans toutes les classes, ils font ça, normalement. Il éteint la lumière après tout le monde, entre autres. On éteint la lumière. Après, il sensibilise, en fait, tout simplement sur. C'est ça. Après, on peut. Cette année, on n'a pas vraiment le temps, nous, au lycée Marlioz, de faire des projets en tant qu'éco-délégué, que l'année a été un peu raccourcie. Oui. Mais voilà, je pense que l'année prochaine, ça serait réellement un objectif. Enfin, un objectif que j'aimerais bien mener aussi. De faire un beau projet sur l'écologie au lycée porté par les éco-délégués de l'ensemble des classes. Le collège de Marlioz, c'est le lycée Marlioz. Hein, c'est ça, au lycée Marlioz. Là, je suis actuellement au lycée Marlioz. Au lycée Marlioz. C'est un lycée qui est relativement moderne encore, qui est dans l'air du temps, non ? Je suis jamais rentré dedans. Si, c'est un lycée qui est très bien. Voilà, donc et là-bas, vous avez des équipes qui vous aident aussi, vous avez des appuis. On a une CPE qui est en appui sur ça, qui est là. Et on appuie à la fois sur les éco-délégués, à la fois sur le conseil de vie lycéenne. Mmh. On est là aussi pour apporter un peu de vie au lycée. Et donc, vous faites remonter des doléances, c'est ça, un peu au niveau national ? Vous faites remonter des... Ouais, on a plusieurs commissions, on appelle ça. Il y a la commission égalité homme-femme, la commission la transition écologique. Ça se passe comment ? Si j'ai envie de m'engager demain, si mon fils de 3 ans... on va attendre qu'il soit en seconde. comment ça se passe ? Il va sortir le soir, c'est après le lycée, après les heures de collège. En fait, Avenir Lycéen, vu que c'est quelque chose de national, on fait plutôt des réunions donc en
télétravail, on appelle ça en visioconférence. Déjà, vous étiez précurseur de la visioconférence. C'est ça, on n'était pas. Bah, vu que c'est à distance, oui, bon, c'est on peut. Exemple, demain, j'ai une réunion avec le collectif de Auvergne-Rhône-Alpes pour parler de nos projets. Et vous serez combien, par exemple, un chiffre 10, 10, une dizaine, je crois. Une dizaine, d'accord. Une dizaine. En visioconférence. Non, du coup, demain, c'est réellement sur le terrain parce que c'est Auvergne-Rhône-Alpes, on va parler des projets, on va discuter ensemble. Ouais, mais après, sur nos commissions, parce qu'on a plusieurs commissions, là, il y en a qui viennent de Bordeaux, d'autres de Poitiers, de Lille, de Strasbourg. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, on fait ça en visioconférence. Après, c'est une association que j'ai rejoint il y a très, très peu de temps. Mm-hmm. Le confinement m'a permis de découvrir d'autres choses, ouais. Du coup, de me réengager dans d'autres choses. Ah, tu ne t'arrêtes jamais. D'accord. Je ne sais pas m'arrêter. Alors, justement, tiens, un lycéen et le confinement, comment ça s'est passé, hein, le confinement pour un lycéen? T'as eu des cours à distance? J'ai eu des cours à distance. Ouais, ça a été dans tes cordes, ça s'est bien passé? Pour moi, oui, ça s'est très bien passé. Après, il fallait, entre les cours qui étaient en visioconférence, d'autres en papier, il fallait jongler. Mais si on avait l'objectif de travailler, puis... Les profs t'ont pas lâché, tu t'es senti appuyé? Ouais, on s'est senti appuyé. Les profs ont... La plupart ont tous été présents, nous ont demandé des nouvelles et tout. Donc ça, ouais. L'équipe éducative a été très bien. Ouais. Après, nous, ça s'est... Pour ma part, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance, j'ai un ordinateur à moi. Donc, oui. J'ai pu suivre mes courses sur ordinateur. Il n'y a pas eu de souci. Mais par contre, en septembre, retourner au lycée en présentiel, c'est quand même important. On sent que en présentiel, c'est important les cours. Tu as envie d'y retourner? Tu as une envie, c'est que ça rouvre? Ça rouvre, du coup, je n'y retournerai pas parce que c'est un peu. Il y a des quotas, donc le protocole sanitaire. Là, actuellement, tu n'y vas pas? Non, là actuellement, je n'y retourne pas parce que les protocoles sont très, très serrés. Ouais. Et du coup, d'abord, les élèves en difficulté, ils retournent, ce qui est bien normal. Du coup, nous, je continue mes cours à distance. J'ai eu mon conseil de classe il n'y a pas longtemps non plus. Donc, ça a été très bien. Ça a été très bien. Bon, c'est vrai que nos auditeurs qui nous écoutent, là, je suis avec toujours Tom Trécourt qui nous raconte un petit peu son parcours de jeune engagé, de jeune citoyen. Allez, je suis sûr que certains ont dit, mais ce petit jeune-là, il a envie de faire de la politique. Ça... d'ailleurs, ces associations-là, est-ce qu'elles ont un versant vraiment politique? Elles ont un versant partisan? Non. Avenir lycéen, par exemple? Non, apartisan. Voilà. Le but, c'est que tous les lycéens peuvent. Au sein de l'association, il y a forcément des gens qui sont dans un groupement politique. Ouais. Mais, par contre, notre but, c'est d'être là pour les lycéens. Du coup, il n'y a pas de raison qu'on soit. D'accord, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a aucune étiquette. D'accord. Et donc oui, effectivement, la politique, on sent que j'adore ça. T'adore ça, carrément. J'adore ça, et puis au niveau local, j'ai de la chance qu'il y a pas mal d'élus mm-hmm. qui sont à l'écoute de la jeunesse ouais. et qui nous écoutent et qui sont là pour les jeunes. J'ai eu la chance de pouvoir effectuer un stage avec le maire d'Aix-les-Bains, donc Renaud Beretti. Ouais. Donc, j'ai pu apprendre un peu plus sur la fonction de maire, donc t'as fait qui un est très important. Avec Renaud Beretti, donc tu l'as suivi pendant quelques jours. C'était en fait, j'ai fait la difficulté, c'est que j'ai fait ça cette année, ouais. et du coup j'ai eu la chance de pas travailler le mercredi cette année. Ouais. Du coup j'ai pu faire mon stage un mercredi, ce qui m'a permis de pas louper les cours non plus. C'est quelque chose. Du coup j'ai pu passer une journée avec lui, découvrir la fonction de maire. Alors et c'était une journée enrichissante et superbe quoi. Ça te fait rêver ça, le maire d'une ville de quelques mille habitants. Être maire, oui, être proche des habitants et tout, c'est quelque chose qui me fait rêver. De plus en plus de maires, apparemment, on parle de lâcher un petit peu la bride, un petit peu, ou de ne pas se représenter. Toi, ça te fait pas peur, tout ça? Je ne dis pas que ça ne me fait pas peur, parce qu'il y a des endroits qui me font peur, parce que gérer une commune, il faut avoir beaucoup de compétences. Oui, t'appréhendes bien les pas. C'est terrible de dire c'est un jeune qui a plein de rêves et plein d'avenir, mais t'appréhendes bien. On va dire tous les risques qui sont inhérents à la fonction de maire, etc. Sans absolument, et ça c'est loin de mon idée, de vouloir te dégoûter, au contraire. Mais... les risques, je les connais. Ouais. Moi, ma plus grande peur, le jour où je m'engagerai en politique, ouais. c'est le côté financier. Ah bon, pourquoi? Savoir gérer les comptes d'une commune. Ah, savoir bien avoir les bases de la finance. Ouais. Oui, bah oui. Mais voilà, mais c'est pas parce que j'ai peur que je vais pas y aller, parce qu'après, il y a des gens qui sont là, qui sont formés pour ça. Donc... Ouais. Mais c'est déjà bien, Tom, qui a envie de se présenter, sachant qu'il ne connaît absolument rien en budget. Non, mais ouais. c'est pas que j'y connais rien en budget. Voilà, non. Mais voilà, mais il y a des choses où, à mon âge, ou à 17 ans, on ne peut pas tout connaître. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses. Je vais parler comme ça en disant
que non, je connais tout, ça serait... L'essentiel déjà, c'est de connaître ses limites, de c'est savoir ça. Là où je suis bon et là où je ne suis pas bon, c'est ça. Là, j'ai besoin d'informations. Je ne vais pas arriver là en me disant, voilà, je connais tout, ce qui n'est pas vrai. On est aussi là pour continuer à apprendre et on apprendra tout au long de notre vie aussi. D'accord. Là, ça me fait faire un petit parallèle intéressant. Tiens, d'ailleurs, tous nos auditeurs qui nous écoutent régulièrement auront noté hier la présence sur cette même chaise, d'ailleurs, avec de Dominique Dore. Dominique Dore, qui était un vieux de la vieille, ce n'est absolument pas élégant comme expression, mais je l'emploie parce que face à moi, j'ai un petit jeune. Ça fait quoi de passer juste après Dominique Dore? Tu as écouté l'émission hier, c'est ça? J'ai écouté l'émission hier, et quand je me suis rendu compte que demain, qu'aujourd'hui, j'allais être à la même place que Dominique Dore, ça a été un honneur, et je me suis dit, oula, ça va être compliqué de passer après un grand monsieur qui a fait... 25 ans de carrière en politique, était un grand monsieur, donc je me suis dit waouh. C'est un drôle de parallèle quand même, finalement, hein. Un petit jeune qui a envie et puis lui qui pensait, je pense qu'il disait hier qu'il était plutôt sur la fin de sa carrière politique et qu'il voulait mettre un petit peu une pause, compte fait, j'ai l'impression que le relais a été passé au sein de notre studio de façon informelle. On t'encourage beaucoup dans ces actions. Pour faire de la politique, on pense tous à que t'as envie de tu aurais envie de te diriger vers Sciences Po, c'est ça? Il n'y a pas que Sciences Po dans la vie. Oh là, c'est quoi ce regard? Il y a qu'un regard comme si j'avais présenté le plat de Non, 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 non. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a Sciences Po, mais en sachant que la politique locale est très riche, c'est quelque chose que ça fait depuis deux ans ou un an qu'on parle avec mes parents, que ma première envie, c'est de dire oui, je vais aller à Sciences Po. Ouais. Mais en fait, en y réfléchissant, on se dit que rester localement et continuer à s'investir sur la politique locale avec des gens qu'on rencontre, je me dis que ça peut être pas mal. Du coup, je pense plutôt partir en administration économique et sociale ou en droit pour faire une licence, puis après faire un management en collectivité territoriale. Et ça, c'est des formations qui sont dans le coin, du coup? C'est une formation qui se fait sur Chambéry et l'autre sur Annecy. Du coup, ça me permet de rester dans le coin et toujours avoir un œil... localement et on ne sait pas ce qui pourrait arriver par la suite. Alors, j'ai l'impression que, comme dans la politique locale, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. J'ai l'impression que tu connais finalement pas mal de monde dans la politique. Il y a des gens qui t'ont mis un peu le pied à l'étrier et des gens qui t'ont soutenu. Bon, Tom Trécourt, on a quand même parlé de Nathalie Schmitt, apparemment, qui t'a pas mal aidé. C'est la trois fois qu'on en parle, parce que c'est la trois fois qu'il envoie des textos. Non. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes que tu souhaites un petit peu remercier, un petit peu, qui t'ont vraiment appuyé, qui t'ont lancé un petit peu. Tout d'abord, le maire de la commune de Saint-Offange. Qui est actuel. Il est actuel, il fait son troisième mandat, il est réélu. Ouais. Donc, il s'appelle comment? Bernard Gelose. Ouais. Gelose, oui. Que je remercie parce qu'il m'a permis de faire mes premiers pas pour partir avec lui en préfecture. Il m'a fait découvrir plein de choses sur ma commune. À quel âge? Relativement jeune déjà? J'ai commencé il y a 3-4 ans. Oui, voilà. Ans, mais déjà, il t'a pris sous un petit peu de son aile. C'est ça. Et je le remercie parce que grâce à lui, j'ai pu après découvrir d'autres maires, d'autres communes. Ouais. J'ai eu la chance qu'il m'a appelé pour être porte-drapeau le 11 novembre. Ah oui. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir été porte-drapeau pour le 11 novembre, qui était un honneur pour moi d'être là pour représenter Les anciens combattants qui les anciens combattants qui sont plus là. Donc, ça me permet de réellement, c'était un réel appui Bernard Gelose. Après, il y a un maire l'ancien maire de Grésy-sur-Aix, qui était Robert Clerc, qui m'a aussi beaucoup aidé, qui m'a mené. Où j'ai beaucoup suivi et qui pour moi est aussi un exemple. Parce qu'à chaque fois que je lui ai demandé des conseils, il m'a répondu. Donc, et ça, c'était le maire de L'ancien maire de Grésy-sur-Aix. L'ancien maire de Grésy-sur-Aix. Ouais. Donc, que je remercie beaucoup aussi. Mais c'est, en fait, c'est pas la, je ne sais pas si c'est le mot exact, c'est pas la cooptation, mais on sent que ces gens-là, ils te prennent un petit peu sous leurs ailes. Hein, ils ont un peu compris le potentiel éventuellement de. Bah, d'intérêt, mais c'est vrai que... pas le potentiel, mais ils ont vu que j'étais intéressé et c'est des gens que je remercie d'autant plus parce qu'ils croient en la jeunesse. D'accord. Et après, il y a bien sûr le maire d'Aix-les-Bains pour son stage, l'ancien directeur de cabinet de Chambéry Métropole qui est maintenant le nouveau maire de Grésy-sur-Aix, qui m'ont permis de faire des stages. Donc en fait, c'est grâce à toutes ces rencontres que j'ai faites que j'ai pu aussi évoluer puis me dire... Bah en fait, localement, c'est super. Et pourquoi pas m'engager plus tard en politique au plan local.
Alors, Tom Trécourt, donc, qui est toujours avec nous, effectivement, finalement, il a un agenda, de, enfin, en tout cas, un contact de téléphone, visiblement, de pas mal de monde. C'est beau. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas radiophonique. C'est le regard qui brille de ce jeune homme devant moi quand il parle un petit peu de politique. On sent vraiment qu'il y croit, qu'il sent vraiment qu'il a des actions à mener, qu'il peut porter quelque chose. Et effectivement, c'est ça, on ne le sent pas à la radio, enfin, on ne le voit pas. Mais moi, je le vois bien devant moi. C'est effectivement, on sent qu'on a un petit jeune là, qui a envie et qui y croit et qui est passionné par ce qu'il fait. Alors, vous me direz après, ce jeune-là, est-ce qu'il n'a pas d'autres passions dans la vie? Parce que la politique, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre à côté? Alors, du théâtre, c'est ça? C'est ça, je fais du théâtre depuis 6 ans, 7 ans. Ah oui. Qui permet aussi de... Alors, aussi, peut-être, rapport à ton petit coquetterie de langage aussi, ça doit t'aider un petit peu. Oui, on a parlé en début d'émission. C'est ça, hein. Ça doit aider. Puis c'est là où on voit que même quelqu'un qui bégaye, il peut tout faire. Ouais, et, voilà. Et c'est aussi un message pour tous ceux qui bégayent. N'ayez pas peur du regard des autres. Mmh. Et faites ce qui vous plaît. Et puis ça arrive et on avancera comme ça dans la vie. Et puis les plus grands, ça arrive aux plus grands. Donc, il n'y a pas de raison. Je crois même Bayrou aussi. Hein, oui, il me semble. Voilà. Donc du théâtre, où ça? À Grésy-sur-Aix aussi. Avec qui? Avec le théâtre Avec l'association Coup de Théâtre. Encore une autre association, décidément. Non, mais je suis là... Là, tu es client, on va dire, de l'association. C'est déjà. Ça. Tu n'es pas participant. Je participe à leur assemblée générale, ce qui est normal, mais voilà. J'ai décidé, donc le théâtre, j'ai décidé, ça permet vraiment de s'évader, d'oublier un peu, de se mettre dans un nouveau rôle. Là, je ne suis pas très court quand on joue une pièce. Je suis le personnage et puis... Vous jouez quoi, par exemple? Est-ce qu'on a ces représentations des courses de théâtre où on est un arbre et on doit faire l'arbre ou je ne sais pas quoi, des trucs à non. percher? Non, c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça. C'est vraiment, exemple, je me souviens plus du nom de la pièce, ça fait longtemps, ouais. où j'étais le génie sorti de la bouteille et qui devait exprimer des choses. Ouais, voilà. Donc, voilà, l'année dernière, on a joué dans la peau de Cyrano, du coup, on était un élève. C'est vraiment on ne reste pas planté comme un arbre pendant tout le long du spectacle. Oui, ouais, effectivement. Puis on sent déjà, sur les gens qui font du théâtre, et ils ont une facilité un peu à s'exprimer, on sent que tu es un petit peu à l'aise. Et le théâtre permet aussi à pas mal de gens d'être à l'aise. À partir de quel âge d'ailleurs le théâtre chez les jeunes? Les plus jeunes là, pour le théâtre par exemple. Dans l'association, ils font des cours pour les cours éveil. Donc en grande section CP, ah on oui, peut déjà commencer. D'accord. Et vous faites des pièces, bon, je vais dire célèbres, c'est triste à dire, mais vous faites des choses connues, des reprises? Non, on fait pas des choses si connues que ça. C'est amateur. Ça. On fait des représentations par an, le temps qu'on monte bien un spectacle, parce que monter un spectacle, c'est quand même du travail. Mmh. Mais on prend plaisir, on se prend pas la tête, on apprend notre texte, on aime être notre personnage, et puis une fois sur scène, on stresse un peu au début, mais une fois qu'on monte sur scène et qu'on voit les gens, on n'a qu'une envie, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et se faire plaisir à nous-mêmes et faire plaisir. Et tu la vis bien, les décharges d'adrénaline, le trac avant de monter sur scène, non? J'ai un petit rituel à chaque fois que je vais vous faire part au théâtre. Je fais une roue avant le début du spectacle, qui permet de soulager. Avant le spectacle, pas pendant le spectacle, parce que ce ne serait pas forcément en raccord avec la scène, c'est ça. Mais juste avant le spectacle, je fais une petite roue. Quand tu es stressé, tu fais la roue. C'est ça. Et ça permet de se... C'est pour ça que tu as pris la porte en arrivant tout à l'heure. Tu as loupé, tu as fait ta roue, mais tu as mal calculé la porte. Hein. On ne va pas révéler tous les détails d'entrée du studio. Du judo aussi, parce que du théâtre, du judo. Non, mais je vous dis, c'est un CV un peu long comme le bras, Tom Trécourt. 17 ans, il nous a parlé de ses associations précédemment, c'est 3, 4, 5 associations, le théâtre et maintenant le judo. Investi dans le judo? Le judo, j'ai la chance d'avoir passé mon diplôme de commissaire sportif. Ah bon. Au judo, on connaît toujours l'arbitre qui est sur le tapis et qui donne les points. Ouais. En fait, commissaire sportif, c'est nous qu'on va appeler les combattants pour venir combattre, on va noter les points et puis en fait, on fait suivre la compétition. D'accord, vous notez les événements du match, etc. C'est ça. J'ai la chance d'avoir réussi ce diplôme et du coup, d'être parfois en week-end en compétition avec l'ambiance de compétition, voir les combattants faisant leur prise de judo. Du coup, c'est vraiment quelque chose de... D'accord, et tu es ceinturé? Tu es gradé? Je suis passé ceinture verte. Verte, donc c'est après la... Avant la bleue. Avant la bleue, d'accord. Okay. C'est pas si longtemps, du coup, tu
finalement que tu fais? Bah, en fait, j'en fais, mais dû, comme je le disais tout à l'heure, mon problème cardiaque aussi. Oui, il est un petit. On en parlait en antenne parce qu'on ne va pas faire non plus le dossier médical de Tom Trécourt. Pas pour faire dans le larmoyant, mais tu as un petit problème cardiaque qui t'évite de faire certains sports. C'est ça, du coup, j'en ai fait un peu et puis ils m'ont fait passer la ceinture verte. Après, c'est beaucoup de compétition, du coup, je fais aucune compétition. Est-ce qui me permet de pas faire de compétition et d'être commissaire sportif? Allez, il nous reste quelques dernières secondes là, pour la fin de l'émission. Moi, je voulais juste avoir l'avis d'un jeune de 17 ans actif comme celui-là, ce profil, avoir ta vision un petit peu du bassin aixois. Qu'est-ce que tu penses d'Aix-les-Bains en tant que jeune, toi? Aix-les-Bains, c'est un très beau territoire, Ouais. un territoire qui est agréable avec le lac, avec ses montagnes. Ouais. C'est un territoire où on peut se détendre, en même temps on va s'amuser avec nos amis, on pourra sortir. Donc du coup c'est vraiment. Comment ça sort? Vous avez des coins préférés ou la nature, les Bah là en ce plages? moment c'est le lac. Le On va lac. pas se le cacher, aller au lac, poser nos serviettes, aller se Tout en baigner. respectant évidemment, si on Moi le rappelle, les gestes on leur barrières. dira jamais Bien assez. sûr, non, mais c'est quand même très important. Il faut une limite pas trop plaisanter avec ça. On entend déjà dans les informations des cas qui remontent en Meurthe-et-Moselle. Donc C'est ça. gardez vos distances. Il fait beau, enfin il fait beau, pas ces derniers temps, mais il a refait beau là aujourd'hui. C'est Et ça. gardez bien vos distances. Donc. Voilà. Ressortir avec les mains, ça a été Ouais, un plaisir. c'était un plaisir. Après, voilà, être sur le territoire, quoi demander de mieux d'être sur le territoire de Grand Lac avec le lac On s'amuse bien et sur ses montagnes, Aix-les-Bains, quoi. alors à 17 ans, on s'amuse bien. On s'amuse bien avec les Ouais, mains. bien. Eh bien, écoutez, sur Voilà. ces paroles pleines d'optimisme que nous avons reçu Tom Trécourt, donc qui a depuis le début de l'émission 17 ans et qui aura encore à la fin de l'émission 17 ans, qui nous a parlé donc de toutes ces associations. Vous avez vu avec moi, on en a parlé pendant presque trois quarts d'heure avec lui. Le nombre d'associations dont il s'occupe, dans lesquelles il participe. C'est un bel exemple, je trouve, en tout cas, il méritait d'être invité sur les ondes de Radio Grand Lac ou sur radiograndlac.com pour nous écouter partout en France. Je vous souhaite. Oui, vas-y, Voilà. Tom, un dernier petit mot. Je remercie bien sûr Radio Grand Lac de m'avoir invité, Mais je t'en de prie. m'avoir fait vivre cette expérience radiophonique qui est une première pour Bah moi, oui, de passer derrière le micro c'est en mieux que temps le Dauphiné, hein. d'interview. Non, mais je remercie également aussi le Dauphiné pour leur Ouais. interview et je remercie toutes les personnes que j'ai déjà pu remercier auparavant et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Bien, très bien. Bah, merci Tom Trécourt. Moi, je fais un petit aparté et je rends l'antenne à la bourre, mais écoutez, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Pour la semaine prochaine, nous allons recevoir un groupe, mais vraiment un groupe qui me tient à cœur, un groupe que j'avais rencontré au Médiéval d'Andilly et qui devait se déplacer cette année au Médiéval d'Alby-sur-Chéran. Écoutez, un groupe de musique médiévale, mais très dansante. Vraiment, on va parler de vieille musique, on va parler de vieux instruments, on va surtout écouter un peu leur musique. Je vous garantis que jeudi prochain, ils viennent d'Andilly. On sait un peu plus loin que Grand Lac, mais ils se déplacent dans toute la Savoie. Ils chantent en savoyard, ils chantent la Savoie, ils chantent vraiment des choses entraînantes. Vous verrez, ils s'appellent la Rioule des Compagnons, la semaine prochaine. Et normalement, dans 2 semaines, si tout va bien, nous allons recevoir Sœur Avicii, de la communauté du chemin neuf de l'abbaye de Hautecombe, que je salue d'ailleurs. Passez une bonne soirée, passez une très bonne semaine. C'était l'émission Ça se passe ici, et c'était Ludovic, accompagné pour ce soir de Tom Trécourt. Bonsoir. Bonsoir.